Bon, bah rien du tout les gars, mais bon, c'est l'arrivée à Cuba de Noé. Tout le groupe est là, ils sont dans le noir, on voit personne. Bon, je filmerai tout ça en plein jour, ce sera plus sympa. Mais c'est sacrément impressionnant d'arriver à Cuba comme ça. Même de nuit les gars, ça fait quelque chose. Je suis trop content. Attends, attends, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Je vais monter au ralenti, t'inquiète. De quoi? Monte. C'est trop cool. Ah là là, mais il nous a fait ça bien. Tu veux nous pêcher au Glory? Bien sûr, je vais en prendre, je vais tout prendre. On va dormir, on va découvrir ça. Bon, comme on arrive de nuit, on ne peut pas trop apprécier Cuba, mais c'est hyper calme, de ouf. Il y a quasiment personne dans les rues. Franchement, les Cubains, ils respectent vraiment les consignes. Ils n'ont pas de couvre-feu ici, d'après ce que m'a dit Glory, pas de couvre-feu, mais j'en laisse ça. Il n'y a pas de couvre-feu, mais ils respectent vraiment. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, il n'y a pas de regroupement. Ils sont quoi, 2-3 maximum, et de personnes qui marchent seules. Et là, il est, je crois, entre 22-23 heures à Cuba. L'heure française, il est 7 heures. Donc, on est complètement décalé. Et là, on va découvrir les lieux où on va dormir. Franchement, je suis super excité, les gars. C'est trop bien. D'accord. Vas-y, on va choisir nos chambres. Je veux la plus grande, comme quand on est enfant, on court. Ah, c'est bien. Franchement, c'est nickel. Hein. Et là-bas, il m'a dit, il y avait quoi là-bas? Ça va, c'est le manger, hein. Ouais, mais voilà, je pourrais... Putain, je fais... Ouais, si tu veux déjà faire un peu... Voilà, je pourrais me mettre là pour bosser, moi. Mais ça a quel prix, ici, là? Tu peux regarder, là, pour nous. Hop, là. Ils ont pris pour qui? Ouais, ils ont pris pour qui? Des cervezas. C'est comme ça qu'on dit bière en espagnol? Bah, pas rien. Il y a de l'eau surtout, c'est ça le plus important. Oui, c'est un peu plus important. Là. Un peu. Ouais, il y a des bonnes Heineken pour moi, c'est ça, bien moi. Je pense pas qu'il y ait des Heineken ici.
on peut sortir. C'est fait pour les bons services, regarde, c'est payant. L'édition d'homme. Oh la feinte. Je croyais qu'on pouvait sortir, mais c'est une fenêtre. Emprisonné, tu crois pas. Non, mais en fait, je me suis juste trompé de poignée, c'est là la poignée. J'ai cru d'aller dire, faut surtout pas sortir. J'ai eu peur. C'est ce que j'ai fait encore. Tu peux aller de ce côté, toi. Ça sert à toi, toi. Ici. Là, je t'ai tout confié, toi. Là, je fais un petit peu le tour. J'espère que je ne vais pas me perdre. Là, on me voit bien, là. Ça fait un peu. Ça fait un peu jungle. C'est un peu le sentiment que j'ai. Je suis jamais allé dans la jungle, mais. C'est un peu le sentiment que j'ai. Là, je t'avoue que j'ai envie de monter là. Mais j'ai pas envie de faire de conneries encore. Je vais quand même monter un petit peu. Personne ne me dira rien. Je vais voir où ça va. Ah ouais, mais ça va sur le toit, c'est trop bien. Bon, vous voyez rien, mais en fait, on reviendra ici en plein jour. Je vais redescendre. Ça sert à rien de faire le con. Bon, y a des bruits un peu suspects. Genre des ventilos et tout, donc je pense que vous allez pas très bien m'entendre. En tout cas, le voyage s'est bien passé. On est à Cuba. On a été emmené dans une voiture à l'ancienne. Vous avez dû voir sur les images. Là, on est dans le logement. Super bien, super bien. J'ai ma chambre. Et à partir de demain, on va faire une journée, je pense, à la cool. Logiquement, on doit attendre les résultats. Parce qu'on a fait le test PCR dès qu'on est sorti de l'aéroport. Enfin, on n'est même pas sorti. Dès qu'on est sorti de l'avion. On a refait des tests PCR. S'il fallait faire des tests PCR, genre 2 jours avant le départ. On a refait des tests PCR arrivés à Cuba. Et on doit attendre les résultats. Et quand on aura les résultats, ben, on peut sortir de notre logement. C'est-à-dire que chacun va à son logement. Et après, tu reçois tes résultats. Pour savoir si tu peux vivre normalement, quoi. Donc voilà. C'est trop cool. Premier épisode. L'arrivée, je vais essayer quand même de vous mettre un petit peu plus. On va mettre 2-3 jours dans ce premier épisode. On verra, je verrai. Je vais filmer tous les jours, tout le temps. Et après, je vois les épisodes, combien de temps ils durent, on s'en fout. Allez les gars, je vais dans la chambre. Premier jour à Cuba, les gars. On est censé rester confinés. On est censé rester, on le fait en fait. On est confinés dans une petite casa. On a des chambres super sympas. On va prendre le petit déjeuner. Il doit être 11h midi par là. J'étais un peu malade, mais ça commence à aller mieux. Dans l'avion, j'étais malade. Je vais faire un petit peu le tour. Là, je suis sur le toit. Les linges derrière. Je vais vous filmer le petit déj. Ah, on est bien là, il fait beau et tout. Ils sont tous au taquet en train d'attendre. Ouais, non, ouais, mais on sait pourquoi t'es là. Alors t'as le livre, mais on sait pourquoi t'es là. Tu pourrais lire dans ta chambre, arrête. Arrête. Et ils attendent tous, là, la connexion ici. Et ils sont prêts, ils sont chauds. Non, t'es pas mis dans ma poche, moi.
Ah, c'est dur Cuba, c'est dur les pays où il n'y a pas internet. C'est bon ? Ouais, c'est quoi le code ? Alors, 4. C'est pas plutôt toi que tu peux pas réveiller moi. C'est réveillé. Non, je t'ai réveillé. Moi, que tu m'as réveillé en fait. Tu m'as réveillé. Ah ouais ? Ils sont venus avant toi. Voilà, c'est la fin de la première vraie journée à Cuba. Bon, bien sûr, on est resté à la villa, parce que tant qu'on n'a pas les papiers qui nous disent qu'on est bien négatif, on ne peut pas sortir. Sinon, on peut se faire contrôler, et là, c'est amende et on est mal. Donc, tant qu'on n'a pas le papier, on ne peut pas sortir. On ne l'aura peut-être pas demain. Demain, ça va être encore une journée tranquille, mais je vais vous filmer. On va quand même commencer un peu à s'entraîner, histoire de ne pas être trop fracasse. Donc, je vais vous filmer ça. Ça va être une petite remise en forme. Et à partir de lundi, on attaque. Si on ne peut pas sortir, on a un entraîneur qui va venir ici pour nous commencer à nous coacher ici. Donc voilà, ça va être cool. Il faut que je prenne l'habitude de vlogger parce que je ne pense pas à sortir tout le temps mon téléphone et tout. Mais là, ce soir, on a bien mangé. C'était cool. Là, il doit être 22h30, un truc comme ça, 22h40. Après le repas avec Abdoul et Victorien, on a parlé de boxe pendant une bonne heure. On parlait de tous les boxeurs qu'on aimait, tout ça. C'était pas mal d'échanger avec eux, comme ils sont plus jeunes que moi, de voir quels sont leurs boxeurs références et tout. Donc voilà, c'est bien sympa. J'étais un petit peu mal, maux de tête, et en fait, c'est parce que j'avais pas mon café. Dès que la voisine elle m'a apporté le café, ah, j'étais trop bien. Voilà. Donc, c'est sympa. C'est quand même mieux d'être, même si on est confiné. Voilà, on est là dans une sorte de petite villa avec un jardin, il fait bon. Ah, c'est quand même mieux qu'à la maison en France, à l'appartement en ville. Hein. Bon, allez, à demain.